Coucou, je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour un échange d'ATC. Voilà, donc c'est de la part de Corinne. Je ne sais pas si je vais donner ton nom ou pas. Corinne W. Voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on donne ton nom ou pas, donc je préfère ne pas le faire. Et bah voilà, je vous montre tout ça tout de suite. Donc une jolie carte avec du Disney, du rose, de la paillette. Donc le trio gagnant, on va dire. Voilà, un petit mot. C'était oui, donc c'était un échange d'ATC de Noël. Voilà. Bon préparatif pour cette fin d'année. Ouais, ça s'annonce super bien. Là, je suis super. De toute façon, moi, les périodes de Noël, mon mari le sait. Il est obligé de me supporter. Voilà. Il n'a pas deux enfants à la maison. Du coup, mes filles sont moins excitées que moi. Donc voilà. Donc la gamine de la maison. C'est moi. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais vous montrer les ATC d'abord, hein, au lieu de vous raconter ma vie. Alors, elles sont superbes, mais vraiment superbes. Avec le thème de Noël dans le fond et le renne. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, j'en ai trois. Donc, la découpe du renne, là, en grise, elle est vraiment trop, trop belle. Voilà, donc c'est le thème insert à Noël. Donc il y en a trois et tu m'as envoyé les trois. Ok. Et voilà. Oui, Corinne. Ça me fait toujours bizarre de voir quelqu'un qui s'appelle comme moi. Voilà, parce que des Corinne, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, donc merci, merci pour les ATC. Ils sont, enfin, franchement, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, et je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. J'ai eu des petits chocolats de Noël. Donc, il y en a quatre. Donc, la grossissette, ça sera pour moi. Et les trois petits, ça sera pour mon mari et mes enfants. Ah bah oui, hein, moi je prends la plus grosse. Voilà. Et les petites découpes. Qu'est-ce qu'il y a dans les découpes? Ah ouais, j'ai vu une découpe que je suis trop fan. Enfin, elles sont toutes belles, hein. Mais regardez, un Winnie l'ourson. Une découpe de Winnie l'ourson, c'est trop classe. Un petit chien. Un petit encadrement, on va dire. Une petite étiquette. Il y en a plusieurs. Et des oiseaux. Plusieurs formats d'oiseaux, comme ça. Et bien sûr, j'ai eu droit à mes rennes. Celui-là, il est beau. Avec, il est ajouré, des rênes comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et derrière, ah, des Mickey aussi. Hop, ils se sont mêlés. Un Mickey et Minnie comme ça. Trop chouette. Il y en a deux, il y a de la musique aussi. Bref, des découpes bien, bien, bien sympas. Bah, merci beaucoup Corinne pour cet échange. Voilà, et puis bah, merci de participer à tout ce que je propose et tout sur le groupe. Et puis en 2018, j'espère qu'on va faire beaucoup d'échanges encore sur ce groupe. Voilà, merci d'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Rose Bonbon Coco et vous. Pour bah, principalement du scrap, des échanges. Il y a un échange par mois environ. C'est varié, c'est ou des ATC, ou c'est des cartes, ou c'est des lodis d'enveloppe. Enfin bon, je vais essayer d'être assez variée cette année. J'ai déjà réfléchi à quelques thèmes, donc j'espère que ça vous plaira tout autant que ce qui vous a plu ces derniers temps. Voilà, en tout cas, le dernier thème, cocooning, chalet à la montagne, j'ai vu que ça vous avait inspiré vraiment beaucoup, beaucoup, parce que vous avez fait des choses magnifiques. Quand on voit les photos là sur le groupe, franchement, c'est vraiment un thème qui vous a vraiment plu. Donc, ça me fait super plaisir. Voilà, j'arrête ma vidéo ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.